Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo IRL cette fois-ci. Donc c'est complètement différent de tout ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Donc c'était une petite vidéo IRL parce que ça se porte bien au style de jeu que je joue. Donc c'est FPS et là. J'ai été faire une petite visite open board. Donc je dis ça peut être sympa de le partager avec vous. Il y en a peut-être qui n'ont jamais joué. Il y en a peut-être qui adorent ça aussi comme moi. Moi c'est vraiment un truc que j'adore. J'y vais chaque été. C'est vraiment super cool. Donc pour déjà avant tout quand même, s'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, je précise, c'est une vidéo IRL sur le paintball, donc si ça ne vous intéresse pas, ça sert à rien de continuer de mettre de petits pouces rouges juste pour dire, enfin voilà, je préfère prévenir, voilà, c'est une vidéo IRL, donc ceux qui sont intéressés, je vous invite à continuer, ceux qui à qui ça n'intéresse pas, il n'y a pas de souci, et puis bah voilà, je ferai bientôt une vidéo gaming, donc voilà, c'était la petite aparté. Donc bah, je suis allée cet été donc Open Ball, donc c'est à Aventurest pour ceux qui connaissent, c'est à Nancy à la forêt de Haye, donc s'il y a des nains de coin qui connaissent, bah voilà je vous le dis pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un site qui est super grand, un des plus grands de France, je crois bien. Peut-être même, je sais pas, je ne peux pas m'avancer, mais je crois qu'il y a même un rapport avec l'Europe, enfin bref c'est un très gros site. Il y a des animateurs qui sont super sympas, vous verrez à l'intérieur, parce que nous on était à l'intérieur. Pour des raisons de coût, parce que dehors c'est on paye au nombre de billes et c'est beaucoup plus cher pour une période de temps qui est moins élevée que pour un coût moins élevé plus longtemps à l'intérieur. Du coup on s'est dit, en plus on n'avait jamais été à l'intérieur, on a billes illimitées, c'est sur une heure, on paye une heure, bon bah voilà, en plus on a payé une heure, puis avec les pauses, avec tout, on est resté plus de 2h30 parce qu'il y a un autre groupe qui arrivait, enfin au moins 2h, ça c'est sûr. Donc voilà, ils nous ont même pas viré au bout d'une heure, ils sont restés, c'est pas un gros truc, enfin c'est pas, ils sont pas genre, comment on dit, ils sont pas commerçants à fond, c'est vraiment du fun et ils étaient vraiment sympas les animateurs, ils sont beaucoup là pour la sécurité et ils connaissent leur boulot, c'est vraiment sympa. Donc moi pourquoi est-ce que j'aime le paintball? Bah franchement j'adore ça parce qu'il y a plusieurs choses qui se réunissent, enfin il y a beaucoup d'adrénaline, le fait de tirer avec des armes, bon c'est physique parce que pour les cuisses faut toujours se baisser, faut toujours même ramper pour chercher des drapeaux parce que voilà on n'est jamais couvert, si on se fait toucher bah on revient à notre base, donc faut courir, se baisser pour ramasser les billes, tenir l'arme qui est assez lourde, donc niveau musculaire, au niveau des cuisses surtout et des bras, moi je vous le main j'avais des courbatures de fou, pendant les vacances j'avais pas fait trop de sport, j'étais un peu rouillé niveau endurance, j'ai vraiment morflé sur ce point là. Bon j'ai eu, après il y a les problèmes tout à fait normaux du paintball, les petits bleus qu'on peut se prendre les billes, ça fait mal. Mais on va dire c'est un mal pour un bien, donc je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques photos des bleus que j'ai pu avoir, ils sont assez importants parce qu'il faisait très très chaud ce jour là, je m'étais ramené bah, en survêt et tout pour pas avoir mal. Des gros survêts bien épais, puis bah, je me suis vite retrouvé en short et débardeur. Enfin pas débardeur t-shirt, donc voilà, short et t-shirt, voilà, j'ai bien morflé, bon tant pis, c'était fun. Moi je restais pas derrière les poteaux à couvrir les autres, j'allais chercher les drapeaux, donc je courais partout, donc je me suis fait bien mal. Je me suis niqué les genoux en rampant sur du synthétique par terre, enfin bref, mais c'était fun, donc voilà, c'est une fois, je fais ça une fois par an, moi je m'en fous d'avoir des bleus après, c'était vraiment super cool. Donc c'est quand même plein de trucs, enfin c'est beaucoup de stratégie, de travail d'équipe, c'est beaucoup de physique, d'adrénaline, donc tout ça réuni dans un seul jeu sport, c'est du sport aussi. Et donc moi je vous conseille franchement d'aller faire du paintball si vous avez l'occasion, donc si vous n'êtes pas trop jeune non plus, parce qu'il faut, je crois qu'il y a une limite d'âge quand même, mais bon, normalement il y a tout le monde qui peut y aller, hein. Si vous avez plus de 12 ans je pense que c'est bon. Et donc voilà, c'était pour vous partager bon, mon expérience sur le paintball, moi en tout cas ça a été une expérience super, j'ai vraiment adoré le paintball, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est une expérience unique. Pour tous ceux qui aiment les sensations fortes et puis tirer avec une arme, la viser, ne pas avoir peur de se faire mal surtout et de transpirer parce que c'est quand même bien physique, bah, je vous conseille d'y aller. Pour ceux qui sont de Nancy, il y a Aventurest que moi je vous conseille, c'est vraiment, c'est celle que je connais mais bon franchement j'y suis allée deux fois, j'ai pas été déçue. Donc voilà pour cette petite vidéo IRL, j'ai fait une petite aparté sur le paintball, j'espère que ça vous aura plu ce type de vidéo. Puis bah, on se retrouve très prochainement bah, pour une nouvelle vidéo, allez ciao ciao.